Comme tout le monde l'attendait sûrement, la ravissante princesse Charlène de Monaco et Albert de Monaco ont partagé avec chaleur leur carte de vœux de Noël, mettant en vedette les adorables Jacques et Gabriella. Oui, à l'approche des festivités, la famille princière de Monaco a perpétué sa charmante tradition en dévoilant le vendredi 15 décembre sa très attendue carte de vœux de Noël sur Instagram. La scène festive met en lumière le prince Jacques et la princesse Gabriella, âgés de 9 ans, assis avec leur mère, la princesse Charlène de Monaco, dans un décor de fête élégamment doré. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière de Monaco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière monégasque. Merci. Le prince Jacques, héritier du trône, dégage une aura de sophistication en posant sa tête avec tendresse contre sa mère, vêtue d'un impeccable smoking noir, d'une chemise blanche et d'un nœud papillon couleur sapin. Les mocassins noirs vernis viennent parfaire son élégance. À sa gauche, sa sœur, dans une ravissante robe en velours bordeaux ornée de manches bouffantes, croise gracieusement les jambes. Affichant un sourire angélique, elle complète son look avec des ballerines assorties. Cette image captivante, immortalisée par le talentueux photographe Éric Maton, capture avec grâce le charme intemporel de la famille princière monégasque, diffusant une atmosphère chaleureuse et festive à l'approche de Noël. La princesse Charlène de Monaco, athlète sud-africaine de renom, évoque l'élégance dans une longue robe en velours aux teintes mordorées, le col drapé laissant subtilement entrevoir une épaule. Tandis que le prince Albert de Monaco se tient debout, il offre un sourire radieux, dévoilant ses dents, et revêt un smoking assorti à celui de son fils. La seule nuance distinguée réside dans la couleur de son nœud de papillon, arborant une teinte cerise. La scène se déroule au sein du majestueux palais princier de Monaco, où en arrière-plan, des branchages délicatement peints en doré et un sapin de Noël enneigé ajoutent une touche féerique à l'environnement. La légende simple accompagne l'image. Le palais princier vous invite à découvrir la photo de Noël de la famille princière. Un instant empreint de splendeur et d'invitation à partager la magie des fêtes avec la famille royale monégasque. À l'instar de la famille princière de Monaco, les couronnes européennes se sont également prêtées à l'exercice annuel de la photographie de fin d'année. Le prince et la princesse de Galles ont été parmi les premiers à dévoiler leurs clichés le 8 décembre dernier sur leur compte Instagram. Dans le studio de Josh Schinner, le prince William, la princesse Catherine, ainsi que leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, ont partagé un moment de complicité avec un large sourire dirigé vers le photographe. Cependant, cette image n'a pas suscité l'unanimité. De nombreux internautes ont critiqué le futur roi et son épouse, soulignant que l'image semblait trop retouchée. Les observateurs attentifs de la royauté britannique ont noté plusieurs incohérences, signalant notamment l'absence d'un doigt au prince cadet et même d'une jambe à la princesse de Galles. Cela démontre que, même en période de Noël, la magie ne garantit pas la quiétude et les détails ne passent pas inaperçus aux yeux des fans princiers. Dès lors, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez ce cliché partagé par le couple princier de Monaco. Merci encore et comme toujours, restez scotchés.